Ben, salut tout le monde, c'est Mister. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur du FIFA 17 pour l'achat-revente avec une technique donc pour les petits budgets entre 0 et 15 000 crédits grand maximum. Donc cette technique elle consiste à rechercher des joueurs or qui jouent dans des grands championnats. Donc vous voyez, vous mettez niveau or, achat immédiat 350. Et le but c'est d'acheter des joueurs à 350 pour les relister à 400. Donc ça fait 50 crédits de bénéfice, moins un taxe, ça fait 30 crédits de bénéfice. Mais, en sachant que si vous vendez, si vous listez un joueur à 400 crédits, vous êtes sûr que dans la minute qui suit, le joueur que vous avez listé parte. Alors moi, je vous conseille de le mettre à 450 crédits. Voilà, vous remettez votre joueur à 450 crédits. Vous faites 100 crédits de bénéfice, moins un taxe, ça fait à peu près 60 crédits de bénéfice. Mais, il y a toujours un mais, si vous avez du temps pour relister, pour faire 2-3 relistages par jour, voire même grand maximum 5 relistages, n'hésitez pas à acheter un joueur à 350 crédits et de le relister à 500 crédits. Mais comme je viens de le dire, il faut faire au moins 5 relistages. Mais déjà, vous avez déjà du bénéfice. Mais bon, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de crédit et qui veulent faire du bénéfice rapidement, bah moi je vous conseille d'acheter un joueur à 350 crédits et de relister à 400. Voilà. Donc là, on va chercher des joueurs qui jouent dans des grands championnats comme la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga BVA ou la Serie A. Et parmi tous ces joueurs-là qui jouent dans des grands championnats, excusez-moi, la Ligue 1 marche plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, n'hésitez pas à privilégier les joueurs de Ligue 1. Donc, comme moi dans la vidéo, j'ai acheté un joueur qui joue à Saint-Etienne. Donc, Saint-Etienne, c'est un club de Ligue 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le relister à 400 crédits. Pourquoi 400? Bah, pour vous montrer que quand vous listez un joueur à 400, vous êtes sûr que la minute qui suit, il parte. Bon, déjà, je vais vous montrer l'exemple. Sinon, ouais, n'hésitez pas à relister à 450. Donc si vous le listez à 450, il partira dans l'heure. Probablement, après je sais pas. Mais c'est comme si je dis, si vous relistez à 500 crédits, il faut peut-être faire 5 relistages ou moins. Enfin, ça veut rien dire. Peut-être que vous allez mettre un joueur à 500 crédits et que dans l'heure il part, ça dépend. Mais faut toujours prévoir 5 relistages pour les joueurs à 500 crédits. Et bah comme vous voyez, le joueur que je viens juste de lister, bah, il est parti. Voilà, il est parti à 400. Donc je me fais à peu près 30 crédits de bénéfice. Bon, vous voyez, 30 crédits par minute, ça fait quand même beaucoup. Enfin voilà, après vous comptez en une heure, ça fait quand même énorme. J'ai pas calculé, mais bon voilà, ça fait quand même énorme. Donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, n'hésitez pas à le relister à 450. Comme ça, au moins, vous faites un peu plus de bénéfices. Donc voilà. Vous voyez, là j'ai vendu des joueurs. Bah là, c'est toute ma liste de joueurs que j'ai vendu. Donc, si oui, il y a beaucoup de Ligue 1, mais il y a aussi des joueurs qui viennent de la Liga BBVA. Hein. Des joueurs des Espagnols, vous voyez, comme là, Liga BBVA. Voilà. Mais c'est vrai, les joueurs de Ligue 1 marchent plus. Voilà. Donc, là, je crois que je vous ai essayé aussi. J'ai trois joueurs. Que j'ai chopé hier mais que j'ai pas encore listé. Donc je vais en mettre un parmi ces trois-là. Donc il y aura un que je, il y en a un que je vais mettre à 400 crédits. Donc lui je vais mettre à 400, vous voyez, tac. Bon, 450, vous voyez. Et je vais en mettre un, vous voyez, hop. Après ça varie entre 400 et 500, voilà. N'hésitez pas à... Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont mettre 400, d'autres qui vont mettre 450. Et d'autres personnes qui vont avoir du temps pour lister vont mettre 500. Faites comme vous voulez, hein. C'est pas grave. Mais après, je vous conseille de mettre 450 parce que vous voyez, après, bon bah, déjà vous faites plus de bénéfices sur le joueur et en plus de ça, bah voilà quoi. Mais après, c'est sûr, si vous faites dans une heure d'achat-revente et que vous vendez un joueur toutes les 1 minute en faisant 30 bénéfices, 30 crédits, c'est sûr que ça vaut le coup. Vous voyez, j'ai déjà vendu un joueur. Voilà. Donc, moi, j'ai ciao tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao tout le monde.